donc voilà, donc c'est ça le qui est important, c'est le matin, quand le bus arrive, donc le directeur sportif fait le brief. Et donc il explique à tout le monde un peu chacun le rôle de chacun. Ouais, c'est Cora là. Ça va. Bon les gars, on se met dedans parce que maintenant bah, ça rigole plus. Hein. On a fait longtemps qu'on n'attend pas les Roubaix. Juste ce petit changement cette année par rapport à l'année dernière. Il y a deux nouveaux secteurs pavés là. Ça se trouve ici. Et autrement, après, c'est pareil, jusqu'à Roubaix. Donc je vous demande de bien regarder les secteurs. Tranquille, puisque comme vous avez couru hier, hein, récup. Et demain on repartira d'ici pour aller jusqu'au carrefour de l'Arbre. Donc voilà pour le parcours. La tactique, faut qu'on soit bien autour de Giovanni. Tu t'en occuperas jusqu'au premier secteur, faut pas qu'il bouffe un peu de devant. Hein. Mais vous profitez aussi des autres équipes parce que si tu continues pas à rouler comme un cabestron et puis derrière il a crevé. Donc toi tu restes derrière et vous repassez devant, d'essayer de bien l'entourer. Et aveux-lui, donc si tu as fait ton boulot, logiquement tu seras un peu comme ça, donc tu risques de passer par la fenêtre. Vous sortez d'aveux-lui, tout de suite on va enchaîner à Rambert. Donc là, ça sera à toi de jouer. S'il y en a un qui peut lui donner un coup de main, il lui le donne. Et à Rambert, il faut absolument être bien placé et surtout bien sortir. Puis après, je dirais, c'est la jambe qui va parler. Le ravito, il est où? Ravito, il est après la Solène. Solène, donc c'est vers le kilomètre 110. C'est après les deux nouveaux secteurs là. Et puis vous avez un ravito juste là dans la grande ligne droite avant d'arriver à Orchy. Okay. Vous pensez à prendre le premier, après le deuxième, il y a beaucoup moins de monde généralement. Je pense à l'apéro en fait. Alors l'apéro, ça sera dimanche soir à Roubaix. Si Giovanni a bien marché et que vous l'avez dit. Giovanni, si tu vas aller aux toilettes, il n'y a pas de problème. On comprend ta situation. On recommence le briefing, Giovanni, ça va pour toi. Excusez-moi. Excusez-moi, une réaction. Excusez-moi. Merci. Excusez-moi, juste une réaction. Le briefing, c'était quoi la consigne alors? Bah, protéger Giovanni jusque à Rambert, le plus possible. Et puis ensuite, ça va se faire à la soquette, comme on dit. Hein. Va falloir serrer les dents et puis voilà. Mais je pense qu'il y a un bon coup à jouer.